Hey yo les petits potes, c'est Rookie de retour sur Warzone pour vous présenter la classe sniper méta numéro 1, notamment sur Area 99 et Rebirth Island, c'est le LW3A1 Frostline. C'est parti! Tout d'abord, je vous recommande fortement d'utiliser As de la Gâchette pour avoir 8 accessoires en tout sur l'arme. En bouche, je mets le frein de bouche pour tout ce qui est contrôle du recul du premier tir et la vitesse de réinitialisation de la coup. Pour le canon, moi j'utilise le canon renforcé pour la portée des dégâts et la vitesse des balles. Un drone ennemi se trouve au-dessus. Pour le sabot de cross, j'utilise l'alourdi pour tout ce qui est contrôle du recul horizontal. Activation des contre-mesures. Pour le chargeur, j'utilise le chargeur étendu numéro 1 pour avoir 7 cartouches puisqu'il ne pénalise pas la vitesse de visée de l'arme. Un de moins. Pour l'appui-joue, j'utilise l'Express pour tout ce qui est vitesse de visée. Cible à terre. Pour la crosse, j'utilise la crosse lourde pour la résistance au tressaillement parce que c'est vrai que le LW3A1 a un peu de flinch. Contact. Pour le laser, j'utilise le laser de ciblage parce que tous les snipers ont une certaine oscillation du viseur qui se met en place dès que vous visez et ce laser de ciblage permet de la retarder d'au moins 3 secondes. Donc franchement pour les headshots à longue portée, c'est quand même bien plus optimal. Et enfin, le dernier accessoire qui est peut-être un des plus importants, c'est le tir rapide pour augmenter la cadence de tir. Je vous invite à essayer cette classe du LW3A1 et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.